Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui est le journal d'une cour. Je ne sais plus quel épisode. Alors on se retrouve dans ma voiture. Je sais, c'est un peu bizarre comme décor pour faire le journal d'une cour. C'est juste que en ce moment, je bouge énormément. Et le seul moment que j'ai trouvé pour vous faire cette vidéo-là, c'était maintenant dans ma voiture. Donc je suis vraiment désolée si le cadre est pas super génial. Mais voilà, j'ai pas pu faire autrement. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de plein de choses parce que plein de choses ont changé dans ma vie. Il s'est passé énormément de choses. Donc déjà, la première chose, comme vous le savez, j'ai eu mon permis. J'ai énormément bougé. J'ai eu un autre emploi. Donc comme vous le savez, je travaille dans l'entreprise de mon papa. Donc c'est un tout petit contrat, c'est 10 heures par semaine, même pas. Et j'ai trouvé un autre emploi, donc en plus de celui de mon papa, qui est chez McDonald's. Donc je me suis fait embaucher chez McDo. Donc je travaille chez McDo en tant qu'équipière, voilà. Et cette fois, c'est un 18 heures par semaine. Donc un 18 heures par semaine qui peut être, qui va être allongé pour aller jusqu'à 20-25 heures par semaine. Pour l'instant, pour le moment, c'est 18 heures par semaine. Donc voilà, j'ai trouvé un autre emploi. Et voilà, en ce qui concerne moi, je crois que je vous ai tout dit. Donc, beaucoup m'ont demandé ce que j'avais comme voiture. Donc là, c'est une... j'ai une Peugeot, une 206 Peugeot grise. Voilà, et je compte très prochainement changer de voiture. Ça fait pas longtemps que je l'ai, celle-là. Enfin, pas longtemps. Si, en vrai, ça fait longtemps que je l'ai, mais ça fait pas longtemps que je la conduis. Mais il me faut une voiture un peu plus grosse, un peu plus grande, pour pouvoir mettre Ilou plus facilement... derrière, pour qu'elle ait plus de place, vu que je vais énormément bouger avec elle, je vais beaucoup la promener, etc. Et vu que je vais avoir un deuxième chien en fin d'année, il va me falloir une beaucoup plus grosse voiture pour pouvoir emmener les deux. Et là, ce sera une Dacia Stepway, une Dacia Sandero Stepway. Donc je vous mets une petite photo ici, comme ça vous pourrez la voir. Donc voilà, en bleu turquoise et tout. Donc voilà, vu que maintenant je travaille, je peux m'offrir ce véhicule là. Donc voilà, donc pour l'instant c'est pas prévu, la nouvelle voiture c'est pas prévu tout de suite, ce sera prévu dans l'année. Mais voilà, c'est un projet. Donc je pense que je vous ai tout dit à propos de moi. En ce qui concerne Ilou, bah, elle va très bien, il n'y a rien à dire sur elle. Je pensais l'inscrire à l'agility, malheureusement je travaille le samedi et vu que tous les cours se font le samedi, eh ben, pour le moment je ne vais pas pouvoir l'inscrire à l'agility. Après ça va peut-être changer, mais pour le moment tout de suite je ne peux pas l'inscrire tout simplement parce que je travaille le samedi et que les cours sont le samedi, donc voilà pour elle. En ce qui concerne Azzaro, ne vous inquiétez pas, même si j'ai mes deux petits boulots, j'ai toujours beaucoup de temps pour lui, enfin beaucoup de temps. J'ai toujours le temps qu'il me faut pour lui. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter ma demi-pension parce que je travaille ou quoi. Non, pas du tout, j'ai toujours beaucoup de temps pour lui. Et j'accorderai toujours beaucoup de temps pour lui. Donc voilà, pour l'instant il est encore en repos parce que comme vous le savez, l'hiver Azzaro ne travaille pas. Donc pour ceux qui veulent savoir pourquoi, je vous invite à regarder ma vidéo que je vous mets en barre d'infos. Donc c'est toute l'organisation du travail d'Azzaro. Donc voilà, donc pour l'instant il est encore en repos et on reprendra le travail au printemps. Donc j'ai vraiment très hâte de reprendre ça avec lui. Quoi vous dire, donc voilà, pour Azzaro c'est fini. Et comme vous le savez, donc ça je ferai une vidéo à part, mais là je vous le dis vite fait comme ça au moins, voilà. Donc je vais avoir un deuxième chien qui est un Alder Schäferhund. Donc je vous mets tout plein de photos là. Je vais l'avoir en décembre, donc il va naître en octobre je crois. Oui, il va naître en octobre et je vais l'avoir chez moi en décembre. Donc voilà, je vous mets des photos de la race sur le côté pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Donc j'ai trouvé ce petit chiot qui n'est évidemment pas encore né dans un très bon élevage. Et franchement, je recommande à 100% cet élevage qui est juste excellent. C'est le clan des As, donc je vous écris ça ici. Un élevage juste excellent. La fille est extrêmement passionnée par ses chiens. Elle fait ça avec passion, avec amour et respect des chiens. Et ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc voilà, je suis vraiment super satisfaite de ma trouvaille. La maman sera Shilam. Donc je vous mets une petite photo ici. Et le papa sera Argan. Donc je vous mets la photo ici. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de l'avoir, ce petit loulou là. Et donc voilà. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit en ce qui concerne mes changements dans ma vie. Donc comme vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Évidemment, je prendrai toujours le temps de faire des vidéos
Après, si pendant une semaine vous ne voyez pas de vidéos sur ma chaîne, c'est pas que je vous oublie, très loin de là, c'est juste que mes boulots surtout, j'en ai deux maintenant, vont me prendre beaucoup de temps, surtout avec Azaro et Ilou. Donc voilà, si vous voyez de temps en temps que je ne fais pas de vidéos pendant une petite semaine, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je suis toujours ici. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, parce que je suis extrêmement active sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, comme ça au moins vous pourrez avoir des petites nouvelles de moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.